J'adore qu'il est bientôt minuit, qu'elle ne dorme toujours pas. Mais c'est toujours comme ça quand elle reprend les cours. Je pense que c'est pareil chez vous aussi. Parce que les enfants sont grave confus, je m'attendais pas. Voilà. Il était fatigant ce jour de reprise. Oh, c'est pas possible. 3 heures de sommeil, la miss. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va pas trop poussé comme ça. Voilà, vous le savez, on est sur une vidéo de veille plus reprise des cours. Ce qui veut dire que vous allez avoir routine, outfit et vraiment notre quotidien. Et la reprise des cours. Voilà, la reprise des cours. Et vraiment, on vous partage vraiment notre quotidien. Vous le savez. Que ce soit sur Snapchat ou sur TikTok, on vous partage vraiment tout comme on est, c'est-à-dire qu'on se filme le matin, pas coiffé, pas maquillé. Voilà, on veut vraiment être nous, voilà, à quoi ressemble. On va pas faire semblant d'être bien arrangé le matin, que pour faire un déjeuner juste trop beau, trop bien présenté. Non, on vous partage vraiment notre quotidien de tous les jours. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que vous savez quoi, on approche déjà les 50K. Ce qui veut dire la moitié des. Voilà, et surtout ce qui veut dire que bientôt un concours. Je vous avais promis qu'il y aurait un autre concours aux 50K. Donc ce que je veux, c'est que vous me mettiez en commentaire toutes les idées de concours, de gains en fait, que vous aimeriez avoir. Donc dites-moi ce que vous aimeriez gagner dans ce concours des 50K. Est-ce que ça serait un cadeau? Est-ce que ça serait une rencontre avec nous? Est-ce que ça serait... Enfin, je sais pas. Je veux vos propositions en commentaire. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et commentez. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'on poste une vidéo. Voilà. Et si tu ne suis pas encore sur tous nos autres réseaux sociaux, ils vont s'afficher juste en bas. Rejoins-nous partout, comme ça tu es sûr de ne rien rater. Surtout que je suis de plus en plus active sur Snapchat. Bon, allez, c'est parti. Place à cette vidéo. J'espère qu'elle va. Donc, veille de reprise des cours. Je vais faire un soin Botox à Monia, à l'acide hyaluronique, à la kératine végétale de chez Maybe Paris. Je vous avais déjà partagé ces produits. Et du coup, là, vu qu'on a passé toutes les vacances et tout, on s'est dit petit soin avant de reprendre les cours. Donc, soin Botox pour Monia. Pas pour Lydia parce qu'elle est encore trop petite. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez commander leurs produits qui sont juste exceptionnels, shampoing après shampoing qui sent le monoeil incroyable, je vous mets le code promo juste ici qui va s'afficher. Vous pouvez bénéficier de moins 50% avec le code MOLLY50. Donc n'hésitez pas à utiliser parce que je sais qu'il était valable juste pour les 100 premières commandes. Donc s'il n'y a pas eu encore 100 commandes, le code est encore actif. Donc là, Monia, elle va venir, elle va s'asseoir. Voilà, elle s'est démêlée les cheveux. Donc là, je vais lui diviser les cheveux, faire petite mèche par petite mèche. Faire partie par partie. Voilà, histoire de pied. T'as la ref ou pas? Mettre du Botox partout. Voilà, je prends une bonne quantité, vous voyez, un peu comme ça. Et là, j'applique sur toutes les longueurs. Ça, ça va bien lui nourrir le cheveu. Et après, au moins, vu qu'il y a de l'acide hyaluronique et de la kératine végétale, si votre cheveu a tendance à sécher, surtout vraiment à faire avant l'été. Donc si t'es une ado, ok. Si t'as l'âge à Lydia, laisse tomber, c'était une maman, ok aussi. Comme ça? Donc voilà, j'ai appliqué le Botox. On met une petite pince, on va laisser poser 20 minutes. Après, elle va aller se doucher. Et du coup, voilà, on va préparer la tenue de demain. Yes, voilà. Tenue, sac. Bon, pendant que mon soin il pose, je m'épile un peu les sourcils parce que j'ai 2-3 petits poils là qui repoussent. Voilà, moi je m'épile un peu mes sourcils. Enfin, je fais juste qu'ils repoussent parce que sinon c'est ma mère qui me les épile. Moi je fais que j'entretiens moi en fait. Action. Du coup ben moi je suis sortie de la douche et du coup ben c'est parti, je vais Oh, tes boucles sont trop belles. Genre, faut faire vraiment... ma skincare routine avec vous. Du coup je vais me brosser les cheveux, je vais tester un truc que ben c'est parti. Je vais d'abord démêler mes cheveux. Voilà, parce que c'est comme ça. Je vais aussi, parce que comme vous avez vu dans la dernière vidéo, je m'étais fait le deuxième trou aux oreilles. Et d'ailleurs, j'aime trop. Ils sont trop bien là-bas, histoire d'or. Je vous le recommande. Et du coup, ben, là, c'est parti. On va aussi ben, mettre ma lotion, parce qu'on veut les mettre, on doit le mettre tous les soirs et tous les matins aussi. Je ne les mettais pas ce matin. Tous les matins, là, je l'avais pas mis. De quoi? La lotion. C'est pas grave. Elle nous avait dit le matin. Mince. Moi, je le faisais que le soir. Mais elle nous a dit une semaine matin, puis le reste, tu le fais tous les soirs, pendant deux mois. Non, c'est pas grave. Une semaine, elle a dit une semaine, je crois que tu le fais. C'est pareil. Donc, bon,
demain, je pense, matin, il faudra le faire. Donc, du coup, après, on peut, en fait, c'est le soir qu'il faut le faire. Mais vu que là, il est 19h, c'est pareil. Demain, c'est avant de se coucher. Sauf que du coup, je me suis dit, bon, allez, moi, elle faisait déjà, là aussi, en sortant de la douche. Je me suis dit, bon, allez, je le fais comme ça. Après, c'est fait. Donc, voilà mes cheveux démêlés. Maintenant, ils sont démêlés. Pour avoir ma vision, on va les attacher comme sous là. Voilà. Et on va faire la lotion. C'est parti. Sans blacking, non? Non. Sans le dissolvant. Ah ouais, c'est bizarre. Maman, c'était du daquin. Ah, et maman, elle fait comme ça d'habitude, elle fait couler là. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut la lever plus. C'est bon. On fait pareil. Je vais bien voler à ma boucle. Mais... j'ai mis couler sur ma boucle. C'est bon, j'ai fait mes oreilles. Du coup, cette machine va créer ma tenue. Alors, réparer ma tenue pour demain, pour la rentrée. En vrai, je rigole, mais je suis contente. Je suis contente. Et du coup, c'est parti. On va préparer ma tenue. Je pense que j'ai déjà une idée. Bon, il fait pas beau demain. Mais en fait, la chaleur, elle est bien. En gros, je vous explique. Il y a des nuages, mais il fait chaud. Du coup, j'en vais mettre mon pantalon comme ça. Pas de def, mais qui ne va pas trop pas de def. C'est un jean pas de def. Qui est pas trop pas de def. Mais c'est pas grave. Du coup, on va mettre ça. Avec, je pense, un t-shirt à Los Angeles, Californie. Oh, vous savez, ce truc comme ça, genre en gros, tu fais ça, ça, ça. Ça fait le signe de l'infini. Bon, voilà, ça y est, je sors de la douche. Mes cheveux sont tout propres. Je suis toute propre, j'ai mis mon pyjama. Enfin, j'ai changé de pyjama, là, j'ai mis un short. C'est un petit short tout mou, j'aime trop, il est trop bien dedans. Et j'ai mis un débordeur noir. Et là, je suis en train d'aimer mes cheveux. Là, j'ai fait full mon oeil, je vous explique même pas. J'ai lavé mes cheveux, shampoing mon oeil. Après shampoing mon oeil, le soin botox, il était au mon oeil. Je me suis lavé le corps avec un shampoing au mon oeil. J'ai mis une crème pour le corps au mon oeil. Et je vais mettre un parfum au mon oeil. Parce que j'aime trop ça. J'ai trois parfums au mon oeil. J'aime trop mon oeil, évidemment. Donc là, je prépare ma tenue avec vous. Peut-être que je trouve un déo au mon oeil. Et moi, j'ai bien envie d'en trouver un. On a cherché l'autre jour en plus au magasin avec ma mère et Lilia, mais on n'a pas trouvé. On a trouvé que coco, fleurs de tiare ou d'oranger, je sais plus. Et voilà, c'était pas mon oeil. Mais on va trouver. Regardez, j'ai trois parfums mon oeil. J'ai lui, c'est le meilleur. Genre vraiment, si vous voulez un vieil odeur mon oeil, c'est le cottage folie de mon oeil, mon oeil euphoria. Et moi, le meilleur, je n'ai plus. Ma mère en a recommandé. Ensuite, lui, il a la fleur de tiare. Mais il sent le mon oeil un peu aussi. C'est bizarre. Il a la fleur de tiare, je sais pas. Donc, c'est un adopt. C'est ma copine qui me l'a offert. Et après, on a vanille mon oeil. Lui, vous pouvez l'acheter à Intermarché. Lui, il sent pas vraiment, vraiment le mon oeil. C'est un mélange des deux, du coup je trouve pas ouf. Moi vraiment mon préféré c'est lui. On va essayer, mais je crois qu'il y en a vraiment plus. J'en mets trop en plus à chaque fois. Cet été, enfin l'été dernier du coup, j'en mettais tout le temps. Là je fais rien, mes cheveux je les laisse un peu pré-sécher. Ma mère va me faire des tresses pour demain les avoir bouclées. Parce que je voulais faire un truc avec le Dyson, des ondulations. Mais demain j'ai sport. Parce que je reprends mardi, pas lundi. Et du coup ça me stresse, Marie elle est pas bien droite. Et du coup, voilà, demain j'ai sport, je prépare ma tenue avec vous. Donc, demain j'ai sport. Du coup, j'ai sport, je vais mettre un jogging. Parce qu'en plus j'ai mes gros bobos là, comme ça, enfin non lui plutôt. Donc voilà, du coup je vais mettre un jogging. Je vais mettre un petit jogging gris comme ça, avec des poches, shame. Voilà. En plus, déjà que j'ai pas envie de reprendre, autant reprendre la laise. Et avec... je mettrai un petit débordeur, je pense. Et ma veste. Attendez, elle est où la veste? J'ai la veste qui est avec. Je l'ai fait tomber une autre, mais voilà, en fait, c'est une veste de pyjama l'autre. Donc je vais prendre ma petite veste au cas où, parce qu'il pleut apparemment à 16h. Mais à 16h, je serai plus au collège.
Je finis à 15h demain, donc voilà, mais bon. On sait jamais s'il y a un petit air ou quoi, il fait 26 degrés, mais il fait gris. Donc voilà. Et par contre, je vais mettre un petit débardeur parce que s'il fait lourd, c'est vraiment horrible. Mais vraiment horrible. Genre, c'est vraiment pas supportable. Je vais mettre lui. Je crois pas qu'il soit trop court. Parce que j'ai pas le droit au court, donc oui. Voilà, sinon je mettrai lui. C'est un débardeur noir, c'est. Voilà. Voilà, c'est parti. Maman va me faire des tresses pour les avoir encore plus bouclées demain. Donc on commence à réhumidifier. En ce moment, on essaie de faire nos plaques, nos chaleurs. Je suis en détox plaque. Du coup, on fait rapide. Voilà. Pas trop serré. De tresses plaquées. Au moins, ils ne s'en mêlent pas pendant la nuit. Donc là, je vais essayer de faire un mois nos plaques. On va voir. On va compter, regardez, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 8 mai jusqu'au 8 juin. Je n'ai pas le droit de faire les plaques. Allez. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Challenge. Sorti. J'aime trop me voir les cheveux lisses. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Alors, ça fait bien coiffé, tu vois. On peut le brushing, on peut faire le cone d'eyes on. Oui, ça je vais le faire. Moins, ça. Ben... Mais genre, ça, tu vois, ça fait coiffé, décoiffé. Oui. Alors que les plaques, ça fait tout clean, tout bien. Oui, mais bon, ça va faire une pause. En plus, il y a l'été qui arrive. Oui, l'été, je les plaque pas du tout, moi. Donc là, faut éviter de les attacher et de faire les plaques. Ça va les attacher, je trouve. Je les attache pas trop, non. J'attache que quand j'y sport. Quand même, tu les attaches. Ah, mais il vaut mieux les attacher lâches que serrées comme mais ça. Mais sinon, faudrait que je les lave tout le temps et ça les abîme. Non, pas tout le temps. Là, normalement, demain, ils seront un peu. Demain, je peux mettre un bandeau et ça passe. Et après, même après demain, tu peux les attacher lâches. Ils seront un peu. Tu mets un peu de shampoing sec et voilà. On plus. Pas serré. J'en avais acheté un l'autre jour à Primark, il est où? Je sais pas. Je sais même pas où il ressemble. J'ai acheté un shampoing sec à Primark. Donc voilà, ça y est, les tresses sont faites. Comme ça, demain, elle sera bien coiffée. J'ai hâte de cet été de faire les tresses là. Les tresses les... comme ça, les braids et tout là. Avec les braids, ouais. J'ai trop hâte, voilà. À savoir qu'il est. Les dents. À savoir qu'il est bientôt minuit, qu'elle ne dorme toujours pas. Mais c'est toujours comme ça quand elle reprend les cours. Je pense que c'est pareil chez vous aussi, parce que vous avez été nombreux à l'écrire sur TikTok. Voilà, je peux pas dormir, donc avec le stressé que je suis. Ah non, il faut trouver le sommeil là. Je vais pas y arriver. Il faut trouver le sommeil. Je vais pas y arriver. Allez, maintenant, brossage de dents. Égypte. Là, on a Lilia déjà installée, pareil. Bientôt minuit, elle ne dort pas. Lilia, elle a fait une tresse parce que demain, elle veut les cheveux, je sais pas comment, déjà à la cantine. Donc. Genre, rapide. Genre, lisse et rapide. Tu vois quoi? Lisse, c'est rapide. On verra, puis tu manges à la cantine quand même. Je sais pas si on va les laisser détacher. Ah. On verra. Non, ça va. Abuse voilà. Non, non, abuse pas. 23h. 54, elle m'en a encore fait une. Elle vient de renverser toutes les élastiques dans la chambre. Oh, j'en ai marre de toi, j'en peux plus de toi. Ça va, c'est rapide. Ah ouais, tu vas voir demain matin quand je vais te réveiller. Ça va, c'est rapide. Tu vas voir demain matin quand je vais te réveiller. Là, voilà. Tá.
Donc bah voilà, moi je suis prête. Je vais pas tarder à aller au collège. Voilà, bisous, on se retrouve à midi. Petite préparation de Lilia qui est très très fatiguée. Parce que Lilia ne s'est pas couchée. Bah si, Lilia s'est couchée, mais Lilia n'a pas réussi à dormir. Ouais, Lilia n'a pas réussi à dormir. Elle s'est endormie à 5h du matin. Voilà, elle n'arrivait pas à dormir du tout. Le sommeil ne venait pas, donc elle m'a rejoint dans mon lit pour que maman fasse plein de câlins, qu'elle arrive à... Alors je crois que la journée va être dure. Mon bébé. Je crois que c'est pleine lune. C'est pour ça que j'ai pas dormi. Oh, pleine lune, ça y est, c'est passé, mais bon, surtout que... On a le rythme des vacances, coucher tard, lever tard, plus le stress. Voilà. On va se coiffer, laver le visage, désinfecter les oreilles. Alors, petit outfit of the day aujourd'hui. Un petit t-shirt chain marron Los Angeles. Avec une petite veste Nike, parce qu'il fait froid peut-être aujourd'hui un peu. Avec un jean comme ça, H&M et mes Air Force One. Voilà. Allez, en voiture, c'est parti. On reprend le chemin de l'école. Là, je stresse un peu, là, tu vois. Elle stresse. Je sais pas pourquoi, mais je stresse un peu. Elle a des évals. Deux évals. Voilà, c'est la reprise. Ça fait toujours bizarre de reprendre. Du coup, on a tout changé de place. En plus, ouais, ils ont changé de place. Mais bon, ça va aller. Une fois qu'on rentre en classe, on a l'impression qu'en fait, on n'a jamais quitté. Et du coup, moi, je vais rentrer, ma petite routine, mon ménage, préparer à manger, parce que Lia ne rentre pas à midi, il y a que Monia et moi, donc je vais préparer un petit truc juste pour Monia et moi. Mais non. Parce qu'il y a que je fasse des petites perles, là, vous savez, espèce de petites pâtes perles, là, au beurre. Mais je vais lui faire ma midi pour Monia et moi, ce sera autre chose, je ne sais pas quoi encore. Mais ça sera autre chose. Moi, je fais cantine, super, je reprends avec deux évals et cantine. C'est la totale pour moi. Et ouais. Vous pouvez m'arriver que ça. Et maintenant on compte les jours pour les vacances d'été. Et qui sont plus. Au final les seules vraies vacances puisque c'est là que t'as pas de devoirs et pas de stress. C'est chaud. Que... Et en plus, vous savez quoi, ici, ils n'ont pas pu me mettre une éval de, par exemple, de sciences et de maths, de français. Une histoire, une éval d'histoire. J'aime pas l'histoire. Bon du coup moi je suis rentrée à la maison pour faire tout le ménage. Les filles sont à l'école. Ce matin, j'ai dû récupérer Monia au collège. Donc, ceux qui suivent sur Snap ont suivi l'histoire. Monia, ce matin, elle s'est sentie super mal. Donc, entre le manque de sommeil, puisque hier soir, elles ont eu énormément de mal à trouver le sommeil. D'ailleurs, Lilia m'a rejointe dans la nuit. Elle dormait toujours pas à 4h du matin. Je ne sais pas si elle a eu de grosses angoisses. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Et du coup, Monia était très fatiguée. Elle est partie à l'école sans déjeuner, chose que j'aime pas du tout. Et du coup, elle a commencé à se sentir mal, à avoir des tremblements et tout. Donc, j'ai été la récupérer. Donc, ce matin à 9h30, alors qu'elle avait commencé à 8h30. Et du coup, je l'ai ramenée à 14h cet après-midi. Elle a cours que de 14h à 15h. Donc, je la récupère avec vous. Et j'espère qu'elle se sentira bien et qu'elle aura pas trop de devoirs pour demain. Parce qu'elle n'est pas au top top de sa forme. Mais ce soir, ça sera night routine de bonheur et au lit très tôt. Ça y est, j'ai récupéré Monia. Elle a fini à 15h. Ça a été Oui, ça va. Lavage de main dès qu'elle arrive, Monia toujours. J'aime pas. Elle déteste garder les mains sales. Et puis j'ai une pellicule sur la main, c'est i. Elle a des tocs avec ses mains. Bon après, pareil je crois. Oh là là. Aïe là. Ouais, donc du coup, Eval. Ouais, il va le SVT. C'est bien passé. Ouais, ça va. Tu as bien senti. Ouais, ça va. Mon œil, il fait que bouger, ça me stresse. Ça fait 3 jours que ça te fait ça. Ouais. Au moins. Il fait. Ce mascara, il est magnifique. C'est lequel que t'as mis là? The Sky High. Il te fait des cils et touche en haut. Regardez, même de côté. Magnifique. Ça qui est bon. Magnifique, ma chérie. Voilà, après, on va aller chercher Lilia avec vous. Voilà. Et voilà, vous aurez le débrief de la première journée. Tu leur as fait leur outfit ce matin? Oui, je l'aurais fait hier aussi. Ils ont fait le matin. Parce qu'elle est tchatche, elle est... Elle va en avoir un truc en avant. Ou alors, à tout moment, des fois, elle sort, elle a pas envie de parler. Ouais. Elle est décomposée. En fait, parce que là, elle doit être très fatiguée parce qu'elle a dormi 4 heures cette nuit. Oui, mais la fatigue, ça la fait. Non, c'est vrai que des fois, ça la rend râleuse et pleurnicheuse. On verra, écoutez, on découvrira en direct. Ouh voilà. Il était fatigant ce jour de reprise. Oh, c'est pas possible. Moi, je suis quand même. Demain, repos pour Lilia. Ouais. Attends, ça va, t'as dormi cette nuit. Non, attends, on a une péripétie. Monia, le collège, ah ouais, il m'a appelé l'infirmerie à 9h30. J'ai dû aller la récupérer. Pourquoi? Elle avait les jambes qui tremblaient.
envie de vomir, elle se sentait pas bien. Elle a fait quand même à l'aise. J'ai dû aller la récupérer. Et cet après-midi, elle est allée à l'école, parce que la fatigue, je pense, la fatigue, le stress. Quand j'ai mangé, après, ça allait mieux. Elle avait pas déjeuné, elle est allée à l'école sans déjeuner. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Hey, j'ai pas faim le matin, je suis comment j'aurais dit. Comment ça s'est passé, mon amour? Ça s'est bien passé, il y a une éval d'histoire que ça va, j'ai réussi à faire. Oui. Mais il y a quelques réponses, j'ai faux. Parce qu'en fait, après, elle nous a montré les réponses. Ouais, voilà, dès qu'il nous a récupéré de la copie. Vous avez corrigé. Non, on n'a pas corrigé. Il a pris notre copie. Voilà, il a pris les réponses. Il l'a montré, donc du coup, je sais un peu ce que j'ai fait faux et un peu ce que j'ai fait vrai. Et voilà, c'est pas grave, tu peux pas avoir tout bon. Hein. Et après, t'as mangé quoi de bon? Ah, j'ai mangé de la semoule avec de la sauce et puis beaucoup de viande avec une tranche de melon. Une tranche de melon. Mais disons, tu devais être contente de tes plats préférés, quoi. Ouais. Super. Non, franchement, c'était bien aujourd'hui. En plus, après, on s'amusait sous la pluie. Du coup, ça va, t'es pas trop fatiguée pour quelqu'un qui a dormi 4 heures? 2 heures, 3 heures. Ah ouais, 5, 6, 7, ouais, pardon, ouais, 3 heures à peu près, ouais. 3 heures de sommeil, la miss. Ce soir, KO. Et l'autre jour qu'elle a fait quoi, 5 heures de sommeil, elle nous a fait une crise. Alors là, ça va être manger de bonheur. Mais d'abord, bien. Doucher. Oh, oh my God. Manger de bonheur, non, manger dorade ce soir. Tu m'as dit demain soir? Oui, mais parce que je devais faire les dorades mais hier. Mais t'abuses. De base, je devais être fait à midi, pardon. Voilà. Et après, c'est doucher de bonheur, manger de bonheur, au lit de bonheur. Voilà. En tout cas, là, je vais pas protester pour aller au lit tard. Je suis KO, je vais m'endormir devant la vidéo qu'on était en train de regarder pendant que maman faisait le linge. Voilà. Donc, je vais pas protester ce soir. Me demandez pas de où. Y'a que Tata Emma qui va pas se coucher tôt, puisqu'elle va devoir monter cette vidéo. Ouais. Voilà. Parce que vous la voyez demain, du coup. Du coup, on vous embarque avec nous pour le goûter. C'est parti, j'ai faim. Ah, elle a faim. Elle a faim. Je viens de te le dire, la demi-minute. Non, mais elle a tout le temps faim en ce moment. Ah, t'as faim. Lilia est en train de devenir mini-monia. Petit goûter de Monia, céréose au lait. Et du coup, je vais préparer le goûter de Lilia. C'est croissant au Nutella. Du coup, moi aussi, je vais goûter, mais pour moi, c'est Frosties. J'en ai Frosties. Là-bas, on a Lilia qui est contente de retrouver son chien. Hermès, tu descends. Puisque nous. J'aime pas qu'il soit sur le canapé quand il est pas sur le plaid. Il a son plaid. Parce que vous voyez, il a son plaid juste ici, en fait. D'ailleurs, il faut ranger le drone. Ça, vous voyez, c'est une mallette. C'est le drone. Il faut qu'on teste. On va tester des trucs pour Instagram. On va gérer tout ça. On va gérer le drone. On va manœuvrer là. Vous voyez, il est là en charge, le drone. Vous voyez, bon, là, je l'ai débranché. Je vais le ranger. Mais du coup, voilà notre drone. Voilà, du coup, Lilia prend sa petite tablette. Voilà. Mon ordinateur. Ses petits croissants. Tiens, en Nutella. Pas un, mais deux croissants en Nutella. Elle va se mettre ses petites vidéos YouTube ou TikTok, je sais pas, ça dépend selon YouTube. Son humeur. Ah, YouTube. Et elle va goûter. Et voilà, mes chéris, ça y est, cette vidéo se termine. On espère qu'elle vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à nous dire comment s'est passée votre reprise à vous si vous faites partie de la zone C et que vous avez repris les cours en même temps que nous. En tout cas, j'espère que pour ceux qui ont repris en même temps que nous, ça s'est bien passé. Nous, la nuit a été très compliquée, je vous l'ai expliqué. Surtout pour moi. Voilà, surtout pour Lilia, qui d'ailleurs est très très fatiguée et va aller se faire une douche, se mettre en pyjama. On va manger tôt, comme je vous l'ai dit, et on ira au lit tôt. Heureusement, demain, elle n'a pas école. Elle va pouvoir se reposer. Monia est épuisée aussi. Moi, j'ai école. Voilà, Monia a l'école demain. Ouais. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye! Ciao.